Bonjour les CP, alors aujourd'hui nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, c'est l'heure de la dictée pour tous les CP. Avec aujourd'hui une dictée qui contiendra des mots et des sons que vous avez travaillés, que vous avez écoutés, que vous avez étudiés ces derniers jours et ces dernières semaines, bien sûr, avec le son on, le son wa, le son ou. Bien sûr, attention aussi les sons complexes avec le vre et le on, par exemple, avec le bre, avec et de nombreux mots-outils comme le mot sur, dehors, aussi, ici, dehors, j'ai dit, pour, voilà, de nombreux mots-outils que vous avez vus ces derniers jours. Alors, tu vas pouvoir écrire ta dictée sur ton ardoise ou sur une feuille et tu n'oublieras pas de la prendre en photo pour que tu pourras nous la renvoyer. C'est le seul devoir que tu renverras sur Google Classroom que nous puissions la corriger. C'est parti, je te lis déjà la dictée et ensuite je te la lirai calmement. Ce soir, il y a 3 étoiles dehors. Je monte sur le balcon pour les voir. Je mange aussi un poivron et un concombre. Point. Voici cette petite dictée avec 3 phrases. Bien sûr, rappelle-toi que chaque phrase va se commencer par une majuscule et se terminera par un point. C'est parti, écris proprement et essaie de respecter bien sûr la taille des lettres. C'est parti. Ce soir, virgule, il y a ce soir, virgule, il y a 3 étoiles dehors. Point. Voici 2 mots-outils que tu as rencontrés dans le livre de Tao Ki ces derniers jours. Le petit mot ce et le mot dehors. Ce soir, virgule, il y a 3 étoiles dehors. Alors attention, tu vois qu'ici, il y a 3 étoiles. Il y en a plusieurs. Rappelle-toi ce qu'on met à la fin du mot, s'il y a plusieurs choses et s'il y a plusieurs étoiles, mets donc cette lettre pour nous montrer que tu as bien compris. Ce soir, il y a 3 étoiles dehors. Point. Deuxième phrase qui commencera également par une majuscule. Je monte. Je monte sur le balcon. Je monte sur le balcon pour les voir. Point. Ce soir, il y a 3 étoiles dehors. Je monte sur le balcon, c'est le mot balcon, pour les voir. Point. Troisième et dernière phrase. Je mange. Donc tu connais le son en. Alors ici attention au son j qui va s'écrire avec le g et le e. Je mange aussi. Nous avons vu ce mot outil dans ta boquille. Un poivron et un concombre.
Attention au on devant le b de concombre. Rappelle-toi que le on peut se transformer devant le m, le b ou le p. Je mange aussi un poivron. Poivron et un concombre. Point. Voici cette dictée. Je la relis. Ce soir, il y a 3 étoiles dehors. Rappelle-toi que s'il y a plusieurs étoiles, tu dois mettre une lettre à la fin. Je monte sur le balcon pour les voir. Point. Je mange aussi un poivron et un concombre. Point. Ce soir, il y a 3 étoiles dehors. Je monte sur le balcon pour les voir. Je mange aussi un poivron et un concombre. Alors bien sûr, rappelle-toi, c'est le mot outil dehors, aussi, sur, pour, ce sont des mots que tu peux retrouver dans Taoki. Et puis bien sûr, attention au mot étoile qui a le son wa. Et attention s'il y a 3 étoiles, il y en a plusieurs, donc tu dois mettre une lettre à la fin. Bien sûr, attention au mot poivron avec le son bois et le vron, poivron. Et le mot concombre qui a 2 fois le son on. Mais attention, pour le deuxième son on, le son on se trouve devant la lettre B, concombre. Donc rappelle-toi que le son on se transforme devant la lettre B. Ce soir, il y a 3 étoiles dehors. Je monte sur le balcon pour les voir. Je mange aussi un poivron et un concombre. Voici la dictée pour ce vendredi. Bon travail les CP et surtout n'oubliez pas de vous relire plusieurs fois, de réécouter plusieurs fois la dictée avec la vidéo. Tu peux la mettre sur pause aussi pour avoir le temps d'écrire. Et bien sûr, relisez-vous plusieurs fois pour voir si ce que tu vous avez écrit correspond bien à ce que j'ai dicté. Bon travail les CP, bon courage. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle dictée pour tous les CP. Ciao, ciao!